La première question que normalement on nous pose, pourquoi Charles de Foucault est venu ici? Il n'est pas venu pour être ermite, sinon pour être au milieu des gens. Jamais il aurait appelé l'ermitage de Charles de Foucault, sinon la fraternité. Parce qu'il s'est investi à la langue Touareg, il avait besoin d'être au milieu de Touareg. C'est grâce à Charles de Foucault qu'on a sauvé la culture Touareg. Parce qu'il a fait le dictionnaire, son 4 tomes, la poésie Touareg, plus de 6000 vers, et la prose. Donc il s'est investi 11 ans de sa vie à une moyenne de 10h30 par jour. Et la Sécrème, là aussi, si c'est tel quel, il faut dire que c'est grâce à lui. Parce que dès les premiers jours qu'elle est arrivée, il a mis les barographes, les baromètres, les thermomètres, il faisait des relevés de météo 3 fois par jour. Nous, ses disciples, on a continué, donc au Sahara, c'est l'unique lieu qu'il y a une étude jour par jour, presque pendant un siècle. Et nous sommes très contents parce que cette petite maison, aujourd'hui c'est une météo internationale, il y a 22 au monde. Et nous disons, c'est la météo qui va sauver la Sécrème. Parce qu'il y avait des projets d'hôtels, etc., etc. Quand il est arrivé ici, il dit, oh, à la Sécrème, j'ai trouvé mes 3 amours. Dieu pour la prière, les hommes pour le partage et la nature. 100 ans après, c'est un haut lieu de prière, haut lieu de rencontre et la nature, vous voyez.